Que ce soit pour aller en promenade, pour aller voir sa famille ou se rendre à un examen, la personne handicapée peut avoir besoin de se déplacer en voiture. Le transfert est alors plus délicat et nécessite des connaissances ergomotrices et des aides techniques adaptées. La soignante place le fauteuil perpendiculairement au siège, prépare le disque de rotation sur lequel elle place un pied, l'autre étant anticipé. Elle sollicite l'aide de la personne qui prend appui sur l'accoudoir du fauteuil éloigné et transfère la personne par pivot. Le disque de rotation facilite le transfert. Munie de la planche de transfert, la personne en fauteuil roulant va pouvoir se transférer seule dans son véhicule. Il place le fauteuil perpendiculairement au siège, prépare la planche de transfert, met les freins, ôte l'accoudoir rapproché pour glisser une partie de la planche sous la fesse et avec un double appui sur la planche et l'accoudoir éloigné, peut se transférer. Son coussin pivotant est prêt et l'aidera pour le transfert du retour. Il ne lui reste qu'à ôter les freins pour éloigner son fauteuil et il peut alors démarrer en toute liberté.